Le général de la FAO, M. José Graziano da Silva, le président de la République du Bénin, chef de l'État, chef du gouvernement, Dr Boni Yayi, a effectué une visite à Rome, au siège de la FAO, les 16 et 17 juin 2013. Trois temps forts ont marqué cette visite. Premièrement, le Bénin a été honoré en même temps que 20 autres pays de par le monde, dont 8 en Afrique, pour les efforts exceptionnels accomplis en matière de réduction de la faim. Et nous sommes partis de 22% en 90-92 à 8,1% en 2010-2012. Ce qui fait que, en termes de l'effectif de la population qui souffre de la faim, et les objectifs de départ, les objectifs du millénaire pour le développement, le numéro un, c'est de réduire de moitié la proportion des personnes souffrant de faim dans chaque pays. En ce qui nous concerne, nous étions à 22% et nous sommes passés à 8,1%. Cela veut dire que nous avons réduit de plus de 60%. Nous aurions dû être à 11% en 2015. Mais trois ans avant l'échéance de 2015, nous nous retrouvons parmi les pays qui ont réduit de moitié le nombre de personnes souffrant de faim. Donc nous sommes aujourd'hui à 8%, ce qui fait que nous avons été éligibles. Nous sommes élus parmi les pays qui ont reçu un prix spécial pour avoir fait cet effort. Mais nous sommes en même temps conscients que nous ne sommes pas au bout du tunnel. Nous avons encore des efforts à accomplir. C'est ce qui justifie que le Bénin ait mis en place le plan stratégique pour la relance du secteur agricole, dont découle le plan stratégique de développement de l'alimentation et de la nutrition, et de façon plus spécifique, le programme d'alimentation et de nutrition axé sur les résultats. La mise en œuvre de ce programme nous permettra certainement de résorber les 8% de compatriotes béninois qui souffrent encore de la faim et d'aller encore plus loin en réduisant sensiblement le taux de malnutrition qui demeure encore élevé dans notre pays. Voilà pour le temps fort numéro un. Le temps fort numéro 2 a été marqué par la participation du Bénin à la 38e session de la conférence de la FAO qui est consacrée à la présentation, à l'adoption du plan de travail, d'abord du plan sur 4 ans de travail de la FAO, donc de 2014 à 2017, et de façon plus précise, le budget, le programme de travail et le budget 2014-2015. Retenons en substance que, en sa qualité de champion pour l'Afrique, désigné par le NEPAD et l'Union africaine, le chef de l'État est intervenu au nom de ses pairs pour lancer un appel en faveur de l'adoption de ce budget qui devrait permettre de renforcer les actions déjà en cours en vue de lutter plus efficacement contre la faim et la malnutrition dans le monde de façon générale, en Afrique subsaharienne plus particulièrement et notamment dans notre pays, le Bénin. Le temps fort numéro 3 a été consacré aux audiences et aux séances de travail avec des personnalités. Je citerai pour l'essentiel le président nouvellement élu du Venezuela, Nicolas Maduro, qui a eu une séance de travail fructueuse avec le chef de l'État. Et au terme de cette séance de travail, retenons pour l'essentiel que les deux chefs d'État ont convenu d'échanger des visites dans le cadre d'un programme qui sera élaboré et retenu dans les jours, dans les semaines, dans les mois à venir. Et il y a eu également la rencontre avec le directeur exécutif du NEPAD pour revoir le contenu du travail confié au NEPAD, où est-ce que nous en sommes, surtout après les assises de Cotonou qui se sont déroulées et qui ont porté sur la transformation rurale. Et le chef de l'État étant champion en la matière au niveau de l'Afrique, il était de bon ton de faire le point de l'évolution des travaux et de voir la suite. Quelle est la suite réservée aux conclusions des assises de Cotonou? Les échanges ont permis de préciser cela et il est convenu
que des missions vont suivre pour mettre en œuvre tous les programmes qui ont été retenus à Cotonou. Et le chef de l'État a rencontré également, au cours de ces audiences, a rencontré le directeur général du FIDA. Et nous savons que le FIDA intervient dans notre pays sur une dizaine de projets. Et le FIDA met aujourd'hui à la disposition du Bénin une enveloppe de 25 millions de dollars que le chef de l'État a retenu de consacrer au développement des cultures maraîchères. Et cela intéresse particulièrement notre pays dans la mesure où, particulièrement dans la période, la saison sèche, nous avons un grand besoin de produits maraîchers et il y a une pénurie qui s'observe sur le marché. Et donc, c'est autant de questions qui pourront être réglées avec la mise en œuvre de ce projet. Donc, il est prévu une mission au mois d'octobre avec le FIDA et également avec le PAM, parce que le chef de l'État a rencontré également la directrice générale du PAM, et il est convenu que les trois institutions qui interviennent dans l'agriculture, à savoir la FAO, le PAM et le FIDA, aient une rencontre à Cotonou au mois d'octobre pour que les conditions dans lesquelles nous pouvons améliorer l'agriculture de façon générale et de façon plus spécifique, l'alimentation et la nutrition, et que ces questions-là puissent être débattues et que ça débouche sur des actions à mettre en œuvre. Donc il s'agit de passer à l'action. Nous savons déjà où nous en sommes. Et il est prévu, dans ce cadre-là, de mettre en œuvre un projet régional qui fera du Bénin l'un des greniers pour la sous-région, compte tenu de notre situation géographique, compte tenu, nous avons une position stratégique qui permet de desservir les pays de l'Interland. Si nous tenons compte de la situation actuelle où il y a beaucoup d'insécurité autour de nous et il y a un afflux massif de réfugiés, plus de 500 000 aujourd'hui à partir de la situation au Mali, au Niger et dans d'autres pays de la sous-région, eh bien, cela demande beaucoup d'efforts en matière d'alimentation, en matière de produits vivriers, et le Bénin peut jouer un rôle important, non seulement vis-à-vis de pays de l'Interland, mais également de notre grand voisin qui est le Nigeria et qui est un grand demandeur de produits vivriers. Et donc, ce projet régional permettra d'asseoir davantage le Bénin dans son rôle de grenier, de l'un des greniers pour la sous-région ouest africaine.